Guinée nous appartient tous et nous devons travailler pour la Guinée aussi ensemble. Il ne faut pas qu'on continue à faire la guerre entre nous. On lutte pour gagner, on ne lutte pas seulement pour lutter. Nous voulons cette fois-ci que ça soit transition, soit réussisse, très bien, sans égoïsme et sans différence entre les Guinéens, et tout le monde doit être ensemble. Il faut qu'on débarrasse maintenant l'esprit ethnocentrisme, l'esprit régionalisme, l'esprit tribalisme. Il faut qu'on nous abandonne tout ça là pour aimer notre beau pays dans la sincérité et vérité et pardon. À l'instar de tous les autres pays musulmans du monde, on est ici aussi réunis pour célébrer la fête de l'Aïd el-Kébir. Donc, un certain nombre des membres du gouvernement et de certaines hautes autorités du pays sont venus aux côtés du chef de l'État pour l'accompagner, de célébrer cette fête dans la réjouissance et prier surtout pour que Dieu accompagne le président dans la noble mission de la transition qu'il s'est fixée, notamment en voulant inscrire la refondation de l'État au cours de cette transition. Au nom du chef de l'État, je souhaite bonne fête à tous les musulmans de Guinée.